On va faire la visite de la ruche qu'on a visitée lors de la visite de printemps dans la dernière vidéo. On va voir l'évolution de cette ruche, si les cadres ont bien été construits. On est le 21 avril. On va aussi vérifier s'il n'y a pas la présence du silo royal. On a eu une période de mauvais temps, de froid. On enlève un cadre de rive avec du miel pour dégager un emplacement dans la ruche pour faciliter le retrait des autres cadres. Donc là, dans ce cadre, j'avais mis trois cadres de cire gaufrée à étirer. Celui-là, il n'a pas été étiré. Après, qu'est-ce qu'on trouve? Après, on a un cadre pas d'œuf dans ce cadre. On va vérifier le deuxième cadre de cire gaufrée que j'avais mis pour voir s'il a été étiré. Ah, celui-là par contre, j'ai l'impression qu'il a été étiré. Il a été étiré et en même temps il a été pendu. On voit des couvains. On voit la présence de couvains. Couvains sur les deux faces. Beau couvain. On remet ce cadre dans la ruche, on ne va pas reproduire le couvain. Beau couvain aussi, toujours du beau couvain. On peut voir du couvain, toujours. Encore du beau couvain sur l'autre face. Apparemment, il n'y a pas de limace cette fois. Donc là, toujours le couvain. Donc la reine, par hasard. Et encore du couvain. On n'a pas de cellule royale. Musette. Je vais les enlever quand même parce qu'on ne sait jamais. Pas prendre de risque. Je vois la ruche s'aimer. Donc pour l'instant, c'est pas trop mal. Il y a une belle population. Là, toujours le couvain. Encore le couvain. Pas de cellule royale, c'est bon. Hein? Oui, oui, il rentre. Il rentre. Allez, on continue. Toujours du couvain. Pas de cellule royale. Non, il n'y a pas de cellule royale. On va vérifier le dernier cadre qui a été mis dans la ruche, cadre neuf, cadre
cadre de cire gaufrée. Ah, il est beau celui-là. Beau cadre qui a été pondu. L'autre face, pareil, un beau couvain. Ça, si on peut dire, c'est des beaux cadres. On voit bien que la reine préfère les cadres neufs, les cadres fraîchement étirés, avec une cire propre. Aussitôt construit, aussitôt pondu. On voit un gros mâle au milieu là. Ici, là. On voit pas la reine. Et on remet le cadre. Délicatement. Sans à coup. Normalement, le dernier cadre, c'est un cadre de riz, donc c'est un cadre de réserve, je pense. On va vérifier quand même. Voilà, c'est ça, les réserves. Les réserves. Oui. On voit le mâle toujours. On va le laisser en riz, celui-là. C'est un cadre de réserve. Allez, hop. On va y remettre un cadre propre. Le long du couvain pour que la reine puisse pondre. Le sens là c'est préférable, pas trop écraser les abeilles. Voilà. Celui-là, je ne vais pas le remettre dans la ruche, je vais en prendre un qui est déjà étiré. Celui-là, c'est le cadre de réserve, je vais le remettre dans la ruche. Le bon sens, enlever les constructions pour pas. On les glisse tout doucement sans abîmer les abeilles. Voilà. Je voulais chercher un cadre déjà étiré que j'ai en réserve, que j'ai conservé. Je vais le mettre dans la ruche. Voilà, un beau cadre étiré que j'ai récupéré. C'est un cadre qui avait été étiré l'année précédente, que j'ai retiré des ruches. Je vais le réutiliser aujourd'hui. Ça prouve bien que 3 cadres à étirer, ça fait peut-être beaucoup. Donc 2, c'est largement suffisant. La reine va pouvoir pondre dans ce cadre. Voilà. Bien entendu, ces cadres seront remis au centre pour éliminer les cadres noirs. Oh. On va remettre la hausse avec sa grille à reine. Voilà. On peut voir que la ruche, la hausse se remplit, elle est beaucoup plus lourde. Voilà, mission accomplie.